comme je le disais tout à l'heure, nous sommes ici dans la modeste demeure de Denis Jones pour des séances de versus fighting pour les classements des meilleurs joueurs de la ville de Douala ici au Cameroun. Et oui, le versus de cette journée oppose Cody Denis contre Pendaftil qui joue Viper. Et oui, mesdames et messieurs, les phares vont, ils vont jouer en 2-7, 2-7 de 5-5. Et oui, les hostilités ont commencé. Le Pendaftil qui a commencé les hostilités avec sa fée Viper. Attention, la chauffe de Viper qui passe. Oh là là, Viper qui commence à lui faire des combos là, attention. Et oui, Cody qui continue à pousser. Cody qui continue de presser. La chauffe de Cody qui passe. Attention, Viper en difficulté. Et oui, le Pingot X de Cody qui est passé. Et qui donne l'avantage à Denis Jones qui mène d'un round à zéro dans ce premier manche. C'est reparti pour ce deuxième round. Et oui, c'est Viper qui commence la pression là. Attention, Cody qui ne se laisse pas impressionner. Cody qui continue de pousser, mais Viper qui ne se laisse pas influencer. Attention, Cody, oh là là, le combo n'est pas passé. Viper qui riposte. Attention, c'est Viper. Et oui, Viper qui continue de presser. Elle mène désormais en bande d'énergie. Attention, et oui, Cody qui ne se laisse pas impressionner. Attention, oh là là, le combo de Cody qui n'a pas été ajusté. Viper coincé du côté du mur. Attention, et oui, Viper toujours coincé. Attention, Cody qui revient petit à petit en bas d'énergie. Attention, les deux adversaires en train d'observation. Attention, Viper qui continue de gratter petit à petit. Et oui, Cody, oh là là, quelle erreur de Viper. Oh là là, Cody qui n'a pas pu punir. Et parce que c'est terminé, Ultra. Et oh là là, l'Ultra qui est dérivé par Viper. Et la punition. Oh là là, Cody, qu'est-ce qui s'est passé de ce côté-là? Et finalement, c'est Viper qui réussit à mettre les pendules à l'heure. Nous passons au final round. Et oui, attention, Viper, Cody qui réussit à mettre son combo suite à cette erreur de Viper. Attention, Cody qui mène désormais en bas d'énergie. Et oui, la perturbation de Burning Kick qui passe du côté de Pendaftil. Et oui, oh là là, l'attaque focus, attention, le fameux combo de Cody qui passe. Viper en difficulté qui est mené désormais en bas d'énergie. Attention, et oui, le repas Burning Kick qui n'est pas passé. Attention, Viper qui continue de pousser. La chope de Cody qui passe, attention, qu'est-ce qui va se passer? Et oui, Cody qui continue à faire des phases. Attention, oh là là, Viper mené en bas d'énergie, mais il ne se décourage pas. Attention, ah là là. Et oui, Viper qui teste des tentatives là, mais ça ne passe pas. Oh là là, victoire de Cody suite à cette phase qui remporte ce premier match dans ce versus. C'est reparti pour ce deuxième match. Et oui, attention, Viper qui commence très rapidement l'attaque là. Attention, Cody qui essaie de gérer. Attention, Viper, oh là là, Viper qui est gratté là. Attention, la chope de Cody qui passe. Cody qui va essayer des tentatives. Et oui, oh là là, le combo n'a pas été ajusté du côté de Cody suite à cette erreur de Viper. Oui, la chope de Viper qui est passée. Attention, qu'est-ce qui va se passer? Oh là là, Viper qui essaie quelque chose, mais ça n'a pas été bien ajusté là. Attention, Viper qui continue de pousser. Viper, et oui, Burning Kick comme plat, ça passe. Attention, Cody qui ne se laisse pas influencer là. Viper qui est mené en bas d'énergie, très très mené là. Attention, espérons qu'elle va revenir. Et oui, Cody qui continue de gérer son avantage. Et oui, victoire de Cody qui remporte ce premier round dans cette deuxième manche. Et oui, mesdames et messieurs, c'est très serré. Deuxième round, c'est reparti. Attention, Burning Kick de Viper qui passe dans le vide. Attention, tentative de homoplate Burning Kick. Oh là là, quelle erreur de Pendaftil qui va être sauvagement puni là par Cody. Attention, et oui, Pendaftil qui se dégage avec un dragon de Viper. Attention, et oui, Pengot X côté de Cody qui passe. Oh là là, le dragon de Viper qui ne passe pas. Attention, Viper qui ne désespère pas malgré qu'elle est menée en bas d'énergie. Attention, et oui, Cody qui a essayé une tentative là, mais c'est pas passé. Oh là là, attaque focus qui permet à Cody de remporter cette deuxième manche. Et le score est de 2 à 0 en faveur de Cody dans cette première manche. C'est reparti pour cette troisième manche. Première round, c'est reparti. Viper qui commence la contre-attaque. L'attaque là, autant pour moi. Et oui, attention, Viper qui essaie des tentatives là, mais Cody ne se laisse pas influencer. Il mène désormais en bas des ennemis. Et oui, Viper qui revient. Cody qui revient. Attention, oh là là, le combo qui n'a pas été ajusté. Oui, attention, Seismo X qui est passé là suite à un Burning Kick. Attention, et oui, Viper coincé du
côté du mur, attention, oui, Viper qui revient dans la partie. Et oui, Viper qui continue de pousser, qui mène désormais en bas d'énergie. Et oui, Benny qui, comme au plat, qui est passé. Cody en difficulté, mené en bas d'énergie. Attention, quelle erreur de Viper. Oh là là, et oui, cette erreur de Cody qui lui coûte ce run. Et oui, Viper qui commence très bien les hostilités dans ce troisième manche. C'est reparti. Et oui, attention, Cody qui essaye de trouver la faille. Attention, oh, quelle erreur de Viper. Et oui, Cody qui continue de pousser. Viper qui se laisse influencer. Oui, la chope de Viper qui est passée. Attention à la tentative. Oh là là, c'est pas passé. Et oui, Cody qui continue de presser. Et oui, Viper qui essaye des choses. Attention, oui, quelle erreur de Cody. Oh là là, Viper qui n'a pas pu continuer son combo. Attention, et oui, Cody qui reste en séance d'observation. Et oui, attention, Viper qui se prend un combo. Attention, c'est pas terminé. C'est pas terminé. Viper qui continue d'y croire. Attention. Et oui, il sera. Oh là là. C'était très bien parti du côté de Viper. Oui, Cody qui essaie. Oh, la chape de Viper. Bien joué. Le Mpendastil qui s'est jeté à l'eau. Et ça a payé. Ça a payé. Et oui. Victoire de Mpendastil. Et oui, mesdames et messieurs. Mpendastil qui remonte. Qui remonte. Le score est de 2 matchs à 1 en faveur de Denis Dionnet dans cette première partie du versus. Attention, Viper qui commande les hostilités. Attention, Viper qui continue de pousser. Mais Denis Dionnet ne se laisse pas influencer avec son Cody. Et oui, Cody, pour l'instant, qui mène en bas d'énergie. Attention, et oui, Cody qui continue de pousser là. Viper qui essaie de revenir, mais c'est pas facile. Attention, attention au poussin. Viper mené très largement mal. L'ultra! Oh là là, bien joué du côté de Mpendastil. C'est pas terminé, c'est pas terminé. Attention, phase de perturbation. Oh là là, quelle erreur de Dennis Cooper qui n'a pas été corrigé par Mpendastil. Et ce dernier en profite. Victoire de Cody. Et le score est de 1 run en faveur, 1 run à 0 en faveur de Dennis. Attention, Dennis qui continue de pousser avec son Cody. Et oui, Viper qui se laisse influencer, qui revient très rapidement en bas d'énergie. Attention, quelle erreur de Viper qui n'a pas été puni. Attention, et oui, Viper qui continue de pousser, Viper qui continue de pousser. Dennis qui essaie de trouver la faille, c'est pas évident. Dennis qui essaie de trouver le point faible de son adversaire, mais c'est pas évident. Attention, Viper qui continue de pousser, Viper qui mène désormais en bas d'énergie, qui continue de pousser. Et oui, Viper qui continue d'utiliser des phases de perturbation. Attention, Denis Dionnet qui ne se laisse pas influencer. Oui, attention, Denis qui essaie de revenir. Attention, Viper, la chambre de Viper. Et oui, Mpendastil qui revient dans la partie. Le score est désormais de 1 run de chaque côté. C'est reparti dans cette quatrième partie entre ces deux adversaires. Oui, Viper qui continue de pousser. L'attention, Denis qui mène désormais en avant. Oui, Benny qui comme plate qui est passé là. Et oui, Viper qui continue de faire des phases. Denis qui ne se gêne pas, qui continue de pousser. Il gratte petit à petit. Il mène désormais en bas d'énergie. Attention, Viper qui essaie de revenir, mais ce n'est pas évident. Attention, Denis qui continue de pousser avec son Cody. Et oui, quelle erreur de Viper qui n'a pas été puni. Attention, et oui, Denis qui continue de pousser. Et oui, victoire de Denis Cooper, qui réussit à remporter cette manche. Et oui, le score est de 3 à 1 en faveur de Denis Cooper. Plus que 2 victoires du côté de Denis pour remporter cette première partie. La chope de Viper, mais ce n'est pas terminé. Viper n'a pas encore dit son dernier mot. Et oui, Viper qui continue de pousser. Viper qui est en mode agressivité. Là, attention. Et oui, Denis Cooper. Et oui, Pingo X qui s'est dégagé. Ça la souris. Attention, c'est pas terminé. Viper qui continue de pousser. Et oui, Viper qui continue. Et oui, Viper, une fois de plus, qui s'est jeté à l'eau, et ça a payé, bien évidemment. Les deux adversaires sont une fois de plus à nouveau confrontés. Attention, c'est reparti. La chope de Cody qui passe. Viper qui essaye des trucs, mais ça ne va pas. Une fois de plus, la chope de Cody qui passe. Qu'est-ce qui va se passer? Et oui, Viper qui s'est réussi à se dégager. Attention, l'attaque focus pour contrer cette attaque de Viper. Attention, oh là là, il n'a pas pu corriger cette erreur de Viper. Et Viper, l'ultra! Et oui, Mpendastil qui a une fois de plus réussi à placer son fameux combo. Attention, et oui, Denis Cooper qui revient dans la partie. Viper qui ne se laisse pas impressionner. Et oui, Viper qui... Et oui, Denis
Jonas qui fait jeter à l'eau et c'est AP, ça AP, ça AP. Eh oui, final round, attention, eh oui, Viper, Viper qui continue de pousser, attention, Viper qui continue de pousser, Denis, attention, quelle erreur de Viper, eh oui, attention, quel très joli combo de Denis, Jonas, la chope de Cody qui est passé, attention, Viper en difficulté, eh oui, Mulata, X qui est passé, qu'est-ce qui va se passer, eh oui, Viper qui continue de pousser, eh oui, Viper qui revient petit à petit dans le match, attention, attention, mesdames et messieurs, eh oui, Viper qui continue de pousser, eh oui, Viper une fois de plus qui revient, oui, très joli percutation de Viper qui est très facilement revenu dans le match. Et oui, très beau match entre ces deux adversaires. Et oui, le score n'est plus que de 3-2 en faveur de Denis Jonas. Et, mesdames et messieurs, c'est reparti dans ce duel. Et oui, attention, et oui, la chope qui a été déchoupée du côté de Mpenda Steel. Et oui, Mpenda Steel pour l'instant qui mène désormais en bas d'énergie. Et oui, Mpenda Steel qui continue de pousser. Cody qui essaie de trouver la faille, mais ce n'est pas évident. Attention, Cody qui continue d'espérer à gratter son adversaire. Mpenda Steel qui continue de pousser. Et oui, Mpenda Steel qui continue de pousser. Mpenda Steel, attention. Et oui, Mpenda Steel qui essaie de trouver des failles, qui mène désormais en bas d'énergie. Attention, Cody qui revient petit à petit, attention, c'est pas terminé, c'est pas terminé. Et oui, Mpenda Steel qui ne, et oui, Mpenda Steel s'y passe, attention, c'est pas terminé. Oh là là, quelle erreur de Mpenda Steel. Et oui, Mpenda Steel au sol, attention, la perturbation. Oh là là, Mpenda Steel qui n'est pas passé. Victoire de Mpenda Steel qui remporte ce premier round. C'est reparti pour ce deuxième round. Et oui, Mpenda Steel qui commence les hostilités. Et oui, Cody qui essaie de trouver la faille, c'est pas évident, c'est pas évident, et c'est pas évident, parce que Viper contrôle, elle contrôle des deux côtés, les airs, le sol, attention. Et oui, Cody qui réussit à placer son combo, Viper qui est en difficulté. Et oui, l'ultra, suite à cette action, très belle action, le Mpenda Steel qui revient dans la partie, attention, oui, le Mpenda Steel qui ne passe pas, oh là là, Mpenda Steel qui ne réussit pas à punir, mais il réussit quand même à se dégager, quelle erreur le Mpenda Steel. Et oui, attention, Cody qui a a pratiquement gagné, oui, suite à cette erreur de Mpenda Steel. Et oui, son adversaire a anticipé cette attaque. C'est reparti, final round. Et oui, Mpenda Steel qui pour l'instant qui commence les hostilités. Oui, Mpenda Steel, joli combo de Mpenda Steel. Attention, c'est pas terminé. Cody qui n'a pas dit son nom. Oui, Mpenda Steel qui continue de pousser. Et oui, Mpenda Steel qui continue de pousser. Oh là là, Cody. Et oui, la chope de Cody qui passe, c'est pas terminé. Attention. Et oui, Mpenda Steel. Mpenda Steel qui continue d'y croire. Il mène désormais en bas d'énergie. Attention, la chope de Cody. Cody qui revient petit à petit. Attention. Oh, le Mpenda Steel qui passe une fois de plus la chope de Cody. Cody qui revient petit à petit. Mpenda Steel, et oui, les poussins. Je pense que c'est terminé. Et oui, quelle remontée spectaculaire de la part de Denis Jonas. Oui, mesdames et messieurs. Et oui, c'est comme ça le jeu vidéo. On assiste de temps à autre à des remontées spectaculaires. Oui, Denis Jonas qui revient dans la partie. Plus qu'une seule victoire pour concrétiser cette première partie. Le score est de 4. 4 à 2, 4 à 3, je sais plus trop. Bon, bref, nous allons revenir dessus. Le 8, c'est reparti. Denis Kukweber, pour l'instant, qui mène en bas d'énergie. Viper, qui subit pour l'instant. Et oui, les poussins. Attention, le combo. Attention. Et oui, attention, le fameux combo de Cody. Et oui, mesdames et messieurs, c'est ça, le niveau camerounais ici à Doul. C'est reparti pour ce deuxième rang. Et oui, Viper qui commande les hostilités. Oui, Cody qui ne se laisse pas impressionner. Et oui, la chope de Viper. Viper qui revient dans le jeu. Attention à la perturbation. Oh, une fois de plus, la chope de Viper. Attention, Viper. Et oui, Viper qui continue de pousser. Et oui, Viper qui continue de pousser. Et oui, Viper. Et oui, les poussins. Les poussins. Le combo. Le fameux combo. Oh là là. Oh là là. Et oui, Viper qui n'a pas pu réussir son combo. Attention, l'ultra. Et oui, très belle vision de Mpenda Steel qui a réussi à éviter. Qui a réussi à éviter cette ultra. Attention, c'est pas terminé. Et oui, le Pingo qui ne passe pas. Le Pingo X qui ne passe pas. Monsieur Mpenda Steel n'a pas paniqué de ce côté. Il y a deux affaires. Un round partout. Final round.
Attention, et oui, Koji, une fois de plus, qui place son combo. Attention, attention, attention. Et oui, Viper qui essaye de revenir. C'est pas évident. Attention, Koji, pour l'instant, qui mène en bas d'énergie. Et oui, Viper qui continue de pousser. Et oui, Viper, oh là là. Très belle action des deux côtés. Et oui, attention, Viper qui continue de pousser. Viper, et oui, Koji qui mène désormais en bas d'énergie. Et oui, Viper, et oui, très belle action. Très belle action de Koji là. Attention, et oui, mesdames et messieurs, c'est très serré. C'est très serré. Viper qui est largement mené en bas d'énergie. Mais c'est pas terminé. Elle a toujours l'ultra. C'est pas terminé. C'est pas terminé. On peut assister à une remontée spectaculaire. C'est pas terminé. Attention, et oui, Viper n'a pas dit son dernier mot. Et oui, Viper n'a pas dit son dernier mot. Elle est toujours en vie. Elle est toujours en vie. C'est pas terminé. C'est pas terminé. Attention, attention, la perturbation. Attention, oh là 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 là. Et oui, mesdames et messieurs. Koji, une fois de plus, qui réussit à remporter cette manche. Et oui, je rappelle que Denis Vianney vient de remporter le premier set sur le score de 3-2. Nous allons passer au deuxième set.